Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit message astro avec Chépi qui va tout nous faire bouger. Non? Ah, elle va se poser peut-être. Allez, j'ai choisi l'astro Chibi, les oracles de Cricri pour les signes astro et l'oracle le récit des pensées pour un petit message de ton autre. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas donné. Allez. Un oracle que vous connaissez, celui-là, que vous avez vu pendant un an. Allez. Ah ben, décidément. Eh ben, il a envie de parler, je vous le dis. Je ne sais pas ce qu'ils ont à nous dire là, mais. Voilà. Allez, on y va, les amis. Ah, j'espère que vous allez bien, en tout cas, parce que. Fouf. On pense à regarder son ascendant, son signe lunaire et son signe en Vénus, bien sûr, puisqu'on est sur du sentimental. Je tiens à vous dire que tous les horoscopes sont en ligne, les horoscopes généraux. Je vais commencer les horoscopes des liens d'âme, incessamment sous peu, je ne sais pas quand j'aurai le temps. Mais les horoscopes généraux sont tous en ligne. Allez, les vierges. Qu'est-ce que ton autre a à te dire, vierge? Ah ben. Je n'arrive pas à prendre une décision nous concernant. Voilà les vierges. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il ou elle y réfléchit, mais pour l'instant, il n'arrive pas à savoir si ça serait positif, négatif, si ça lui fait peur, pas peur. Bref, il n'arrive pas à prendre de décision par rapport à ce, peut-être que, par rapport à ce que toi tu lui fais ressentir aussi, je ne sais pas, attention. Ou peut-être qu'il y a des énergies tierces aussi. Mais en tout cas, ici, voilà, il n'y a pas de décision prise pour l'instant. Les balances. Qu'est-ce que j'ai, mes petites balances? J'ai des obligations, des engagements, des promesses qui m'empêchent d'être disponible pour toi. Donc là, les balances, pour ceux qui sont, vous l'aurez compris, pour ceux qui sont avec des personnes qui ont des énergies tierces, enfin qui ont dans le cœur une personne qui a une énergie tierce, elle vous confirme ici que c'est à cause, entre guillemets, de cet engagement que la personne n'est pas disponible, ou en tout cas à d'autres engagements peut-être professionnels ou de distance, je ne sais pas, qui peut faire que cette personne ne peut pas être disponible pour vous. Les scorpions. Alors, les scorpions. Qu'est-ce qu'ils ont, les scorpions? Non, pas deux messages. Pourquoi deux? Ok. Je ne veux pas perdre le contrôle. Alors, les scorpions, vous faites peur à cette personne. Vous êtes des vilains. Vous êtes des vilains. Cette personne a peur de perdre le contrôle avec vous. Elle a peur tout simplement de ne pas pouvoir gérer comme elle le fait d'habitude. C'est certainement quelqu'un qui est très, très, très dans le contrôle de sa vie et qui ne laisse pas aller ses intuitions, ses envies, ses besoins en priorité. Et du coup, ben, par-dessus tout ça, il te dit ici qu'il se persuade que tout va bien, hein, comme ça, que tout va bien, que tout va bien se passer, que voilà, qu'il est bien, en fait. C'est quelqu'un qui se persuade qu'il est bien dans sa vie et que voilà. Et qu'avec toi, il a peur de perdre le contrôle et de faire n'importe nawak, quoi. Eh ben, les cancers. Ah ben oui, je sais plus, t'as raison. Les cancers. Parfois, je ferme les yeux et j'imagine une vie avec toi. Déjà, vous tenez le bon bout parce qu'il y pense, les amis. Non mais Chippy, tu n'as pas posé tes fesses ici quand même. Si, si, on va le faire. Donc ici, voilà, il y pense, il y réfléchit. Donc voilà, c'est pas impossible. D'accord, les amis? On en est là. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Qu'est-ce que ton autre a à l'intérieur de lui à te dire? Je suis préoccupée, je n'ai pas la tête à penser. Bon, ton autre là, il n'est pas fixé sur toi, clairement. Il est préoccupé par d'autres choses. Je ne sais pas, famille, boulot. Donc tu n'es pas sa priorité. Ils sont sympas les messages aujourd'hui, je trouve. Hein? Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de trucs super positifs. Hein? Les Verseaux, ils sont dans un mood de distance. Ben, oh putain.
Alors, les Verseaux, toi, il te dit, je n'assume pas mes émotions, ni mes ressentis, ni mes sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il ne les a pas, mais il ne les assume pas. Donc, il les a, ses sentiments. Mais par contre, il est incapable d'assumer quoi que ce soit. Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ton autre a à te dire, Gémeaux? Non, trois, de suite. Non, c'est bon. Tu me plais, tu m'attires, tu me rends fou ou folle. Ah, bah dis donc, voilà une déclaration sympa. Parce que jusqu'à maintenant, bref, là c'est plutôt positif, quoi. D'accord? Gémeaux. Eh ben. Hop là, hop là, hop là, elle me fait tout tomber. Elle s'est fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'étouffe. Oh, ma lunette. Ça va? Chippy? Ouf! Voilà, tellement, vous avez vu la réaction de mon chat? Les Gémeaux, ce que vous lui faites? Bref. Ça va, louloute? Eh ouais. Et Chippy n'est pas toute jeune, donc elle a un petit peu des problèmes de santé. Et du coup, par moment, eh ben ça foire un peu. Donc, on continue. Bon, vous rendez fou, les Gémeaux. Non, votre autre, vous le rendez fou. Oui, c'est ça. Vous rendez fou, votre autre. Bref, les taureaux. Vous avez rendu fou mon chat, surtout. Ma minette. Les taureaux, j'ai espoir et j'y crois. Ton autre te dit qu'il garde espoir, taureau, et qu'il y croit. Qu'il croit en vous, malgré tout, malgré. Peut-être que c'est vous, les taureaux, qui mettez de la distance. Je ne sais pas. Les Capricornes. Attends-moi, s'il te plaît. Pardon. Oh, purée. L'attente. L'attente, quoi. Attends-moi, attends-moi. Manifeste-toi un peu. Dis quelque chose à mon petit Capricorne, là. Juste un petit mot, quelque chose, si tu veux qu'il t'attende. Bref. Allez, les lions. Des fois, ils sont dans le silence radio, mais ils te disent, attends-moi. Ouais. Ben, lance un petit message de temps en temps. Je sais pas, lâche un truc, quoi. Qui fait comprendre à l'autre que tu penses à lui. Hein? Non, mais. Lion, entre toi et moi, c'est charnel et bien plus encore. Oh, purée. Les lions, c'est chaud patate. C'est chaud patate en ce moment. Voilà. Vous avez peut-être des énergies. D'ailleurs, vous rêvez un de l'autre. Hein, ou vous vous retrouvez en 5D, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est charnel à fond, les amis. Allez, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits poissons? Ils en ont deux. Voilà. Voilà. Je suis convaincue que je peux être heureux avec toi. Déjà, on n'a pas tout perdu. Mais ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin de temps. Donc ici, les poissons, on vous dit qu'il sait. Il sait que c'est vous, hein, votre autre. Mais il a besoin de temps. D'accord? Et les sagittaires, les petits derniers sagittaires. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? J'ai envie, mais. Mais quoi? Mais. Voilà. Trois points de suspension. Il a envie, mais vous lui faites peur, ou je ne sais pas, ou il manque de courage, ou. Je sais pas, Sagittaire, qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Bon, allez, un peu d'humour hein, avec tout ça. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous aiguiller. C'était pas folichon, hein. Ils n'étaient pas très révélateurs au niveau sentiment, là. Purée. Ah, entre toi et moi, c'est charnel et bien plus encore. Ça revient, ça. J'ai peur du nous. Alors ça, je fais des messages comme ça pour tout le monde, hein. Pardon, désolé. Ben ouais. Pardon, il a peur. Il sait que l'attirance est là, mais il vient pas. On sait pas trop quoi. Hein? Voilà. On teste. On teste. En ce moment, on teste. j'y vais pas. Je fais pas. J'ai peur. Qu'est-ce qu'elle va me faire ou qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce que je vais me faire manger tout cru? Non, non, non. Non, non, non. En fait, on est des êtres humains normaux. Bref, il vaut mieux rigoler. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de cette guidance. Hein? Voilà.
Dites-moi un peu si ça vous a parlé. Allez, je vous fais de gros bisous et à très très vite.